Coucou les garçons. Bonsoir tout le monde. Comment ça va ce soir? Très bien. Merci. Oui, on espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Une night routine. Effectivement, on va vous faire une night routine les copains et les copines, mais on est où? Là, on est au Colosseo à Europa Park. Bien sûr, on est encore à notre hôtel Colosseo, à côté du parc Europa Park en Allemagne. À l'hôtel Colosseo, il y a un super restaurant qui est juste ici, voilà, c'est là qu'on va aller dîner. Donc il y a deux formules, il y a une formule à la carte et il y a une formule buffet. Nous, avec les garçons, on a privilégié la formule buffet, comme ça, chacun se sert, chacun mange à son rythme et on n'attend pas entre les plats. Vous êtes prêts? Prêt. T'es prêt, on va manger? Allez hop, vite vite, on va dévaliser le buffet. Alors le restaurant est super joli, il est thématisé également Italie. Et vous allez voir que c'est très chouette. Donc bien sûr, il y a les décos de Noël de partout. C'est absolument super. Dans cette partie-là, vous voyez, on retrouve vraiment l'Italie. Il y a même en guise du luminaire des casques de légionnaires romains. C'est vraiment super. C'est parti, on va aller se servir. Alors ici, on a le fromage, donc ça va peut-être pas être pour tout de suite. Là, on a les bougies, ça se mange pas. Swan est parti en reconnaissance. Il y a de la soupe pour ceux qui veulent. Ça a l'air sympa. Soupe de tomates, ça vous dit? Ouais. Avec des petits croutons. Très bien ça. Ça va nous réchauffer. Parce que c'est pas pour dire, mais on a eu un petit peu froid quand même. Hein. T'as trouvé quoi toi? Montre-moi. Ah ah ah. C'est moins équilibré que la soupe de tomates. Swan, il a trouvé la charcuterie, lui, voilà. Il y a également des fruits, donc on peut se faire un melon jambon cru, par exemple. Ici, on a des légumes marinés. Il y en a plein. L'aubergine, courgette. Un peu de courgette aussi? D'accord, petit cœur. Là, il y a également du concassé de tomates. Il y a des croutons, il y a de la crème. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Oh là là, ça a l'air super bon. Les poivrons. Là, il y a plein d'autres choses. Et du poulpe, si on veut. Du thon confit. Un assortiment de poissons fumés. Enfin, vraiment, il y a l'embarras du choix. Et toutes les sauces souhaitables. Il y a de quoi faire. Et ce n'est pas fini pour les entrées. Il y en a encore ici. Là, on arrive dans les crudités. Là, on a de la mâche ici. Il y a des tomates, il y a de la mozzarella. Il y a encore des tomates ici, donc carrément les tomates entières, même si on veut, hein, ça nous fait plaisir. On peut les emmener aussi, faire sa propre salade. Ici, on a encore de la salade, on a des carottes râpées, on a des pois chiches, on a des fèves, on a une salade de pâtes. Et encore une salade ici, enfin vraiment, il y a l'embarras du choix. Et il y en a qui ne passent pas par la case entrée. Néo. Moi. Où sont tes légumes? Là, il y a des salades. Crudités. Il y a même des oignons. Non mais vraiment. Néo, lui, il est allé directement au plat chaud. Il a vu qu'on pouvait se faire son propre hamburger. C'est pas génial ça? Le pain est ici, la viande est là et ensuite on rajoute tout ce qu'on veut. C'est là, on peut rajouter des oignons, des tranches de tomates, de la salade, des cornichons, enfin il y a tout ce qu'il faut. Et même les tranches de fromage. Donc effectivement, on peut se faire son propre hamburger. Ensuite, on l'accompagne avec des frites si on le souhaite, des légumes. Il y a également des nuggets de poulet, ça je pense que ça va plaire à Swan. Les plats chauds que je viens de vous montrer, on va dire que c'est la partie enfant-ado à peu près. Il y a encore des tas de plats chauds là-bas, un petit peu plus loin, je vous les montrerai juste après, une fois qu'on aura mangé l'entrée. Voici l'entrée de Swan. Voici le plat de Néo, donc là je pense qu'en termes de déséquilibre, de malbouffe, on peut pas faire mieux. Donc ce que je te suggère, c'est que puisque tu as choisi ce plat-là, je vais te choisir une entrée. Ouais, je vais te faire une petite assiette d'entrée. Pour équilibrer chérie, pour équilibrer, c'est meilleur pour ta santé. Et voilà, pour rééquilibrer un petit peu les choses, une petite assiette de crudité pour Néo quand même. Bon bah le temps que je revienne, Swan il a déjà fini son assiette. J'allais te dire bon appétit, mais t'as déjà tout mangé? Ouais. Et donc une entrée. Toute l'entrée, c'est bien. Et Néo, et sur son plat chaud bien sûr, t'as ton assiette de crudité Néo, hein, tu dis pas hein. Ouais ouais. Alors voilà ce que j'ai pris moi, donc assez raisonnable quand même, mais c'est seulement l'entrée, hein. On va se lâcher sur la suite. Et en boisson, bon, les garçons ils ont pris Coca pour Néo, Ice Tea pour Swan. Et le papa et moi,
On associe, alors c'est sans alcool, hein, je précise. C'est en fait quelque chose qu'on trouve spécifiquement nous à Europa Park, mais je pense qu'on en trouve facilement en Allemagne. C'est un jus de pomme mais pétillant. Et on adore ça, voilà. On trouve ça super bon. Nous voilà partis pour choisir le plat chaud avec Swan. Donc là, on a ici des spätzle, des pâtes. On a des choux de Bruxelles. On a plein de choses en fait, hein. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Ouh, elles ont l'air sympas les pommes de terre. Donc il y a énormément de choix aussi, bien sûr. Bon, je pense qu'on va trouver notre bonheur quand même. Il y en a encore là. Et ça continue. Et ça continue. Là, on a des steaks de porc, du filet de poulet. Il y a des saucisses, ça va plaire à Swan. T'as trouvé ce que tu voulais? Ah, voilà. Allez, j'arrive, petit cœur. Ah bah super. Là, il y a les sauces. Là, on peut prendre même du beurre maître d'hôtel. Là, il y a encore des accompagnements. Des pizzas. Ah, je sens que ça va être encore des choses comme ton frère. Hamburger, frites, d'accord. Je vais voir ça. Là, il y a des lasagnes, sauce tomate, des pâtes à la carbonara, spaghetti et du parmesan. Et alors, pour Monsieur Swan, je pense qu'on revient au même endroit que Néo tout à l'heure, c'est ça? Oui. Bon, en fait, je veux un hamburger avec que des viandes et des frites. Oh oui, c'est équilibré. D'accord, bon, allez. Donc, tu vois, ça c'est le pain qui va dessous, voilà. Et celui-là, c'est le chapeau. C'est celui qui va au-dessus. Maintenant, on prend une viande. Vas-y, tu peux prendre le steak. Voilà. T'es sûr que tu veux rien d'autre dedans? Pas de légumes, pas de salade, pas de fromage? Non. Non, surtout pas. Donc voilà le hamburger de Swan. Voilà. C'est facile à faire, hein. Facile à reproduire. Pas de problème. Et maintenant l'accompagnement. Les frites. J'en connais un qui va se régaler là. Hein. Et voilà le plat chaud. Bon ben, c'est pas très équilibré non plus hein, finalement. J'avais fait des efforts sur l'entrée, mais là, il y avait trop de bonnes choses. Bon. Il y a un petit peu de légumes là quand même. Allez, pour rester raisonnable. Il y a Swan qui essaie de faire manger ses légumes à Néo. Et finalement, c'est Swan qui mange les légumes. Voilà. C'est très réussi. Oui, Néo l'a fait. Il mange sa salade. Et maintenant, le grand moment. Le buffet de dessert. On commence sobrement avec des fruits, voilà. Et ensuite, ça se gâte. Là, il y a de la glace. C'est parti pour les gourmands. Donc là, il y a des crèmes. Ah non, ce sont des tiramisu. Ça a l'air super bon tout ça. Oh, il y a même des petits bonbons. Petits nounours. Ça, ce sont des croquants aux amandes, comme ceux qu'on trouve en Corse. C'est super bon. Il y a des Smarties. Il y a du muesli, oh là là, plein de choses. Des tout petits macarons. Encore des fruits pour ceux qui sont sages. Là, il y a des crèmes à la mandarine, on nous dit. Des crèmes brûlées aussi. Et des fruits au sirop. Ça sera tout? Swan était tellement pressé d'aller dans l'aire de jeu que le dessert a été vite expédié. J'ai même pas eu le temps de vous montrer ce qu'ils avaient choisi. Voilà. Et donc là, normalement, les garçons doivent être par là. Voyons, voyons. Donc là, c'est l'aire de jeu qu'on vous a montré le soir de notre arrivée. Est-ce qu'ils sont par là? Alors oui, là, il y a un grand Néo. Ça va? Ouais, ça va. T'es en mode surveillant? Alors, petit Swan, ça se passe bien? Je suis en train de jouer avec toi. À côté du restaurant, il y a également une salle que les garçons apprécient tout particulièrement. On vous emmène, les copains et copines, vous allez voir. C'est par là. Et voilà. De quoi s'amuser. Donc ici, on peut jouer au palais, que vous aimez bien, là. Là, il y a plein de petits distributeurs pour des surprises dans des capsules. Et de ce côté-là, il y a les jeux.
et même des machines à pince. Il y a aussi un jeu de hockey. C'est comme un baby foot, mais là on échange au hockey. C'est sympa ça aussi, tiens, c'est marrant. Donc là, au lieu de pousser une balle, ben on pousse un palais, regardez, il est là. C'est la première fois que je vois un jeu comme ça, très original. Allez, c'est parti. Néo, allez rouge, et Swan, allez bleu. Allez, c'est parti. Bien joué. On vient de revenir dans la chambre. Et voilà. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va dormir. Vous avez eu votre dos, c'est bon? Ouais, c'est bon là. Oui, là on a bien mangé, vous aviez bien joué ensuite entre l'aire de jeu et la petite salle de gaming. Là je pense qu'on peut aller au lit. Ouais, hein? Ouais, je pense. La douche est prise, ces messieurs sont tout propres. Et maintenant, brossage des dents. Allez, on se met au lit. Donc les copains, les copines, je pense que vous vous souvenez que petit Swan dort en haut et que grand Néo dort en bas. Donc là, c'est une lecture très réfléchie. Tu lis quoi? J'ai Picsou. Super Picsou géant. Et pour Swan, petite histoire du soir, ça va être les monsieur et madame avec monsieur farceur. Pauvre monsieur heureux, il avait eu une rude journée. Une rude journée. Il n'avait pas arrêté de courir à droite et à gauche pour faire sourire les gens. Ouf, dit-il en rentrant chez lui, j'ai bien mérité un peu de repos. Et il s'assit sur une chaise, mais... C'est mon tour de lire? Oui. Allez, c'est mon tour. Crac! La chaise se brisa. Boum! Monsieur Heureux tomba. Il ne manquait plus que cela, s'écria-t-il. Monsieur Farceur a dû passer par là. Il n'avait pas tort. Gros dodo maintenant? Oui. Allez, petit bisou et au lit mon cœur. Ça y est, Swan fait dodo, je pense, et Néo, c'est pour bientôt également. Les copains et les copines, on vous souhaite une bonne nuit, si vous regardez cette vidéo en soirée également. On vous fait plein de gros bisous, on vous adore. Bye bye tout le monde. Allez, bonne nuit Europa Park, avec toutes les lumières.